Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des armes améliorées, des atouts, des bonus gratuitement sur la map d'Imachine Zombie Cold War. Alors pour ce faire vous allez devoir vous rendre à la salle de contrôle comme vous le voyez dans le gameplay. Dans cette salle il y a un petit ordinateur que vous allez pouvoir déclencher en appuyant sur carré. À ce moment là cet ordinateur va vous donner un défi à réaliser. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement réaliser le défi qu'il vous a indiqué. Donc là, par exemple, il est marqué « éviter de subir des dégâts ». Donc, je dois tout simplement ne pas subir de dégâts. Et à chaque fois que je ne subis pas de dégâts, la petite case où le défi est noté va surbriller en rouge. Et à chaque fois qu'elle brille en rouge, ça veut dire que je valide le défi et que j'augmente la jauge de récompense. Alors, quand vous aurez accompli quelques défis, vous allez commencer à gagner des récompenses standard, rares, épiques et carrément légendaires. Ce que je vous conseille, c'est d'aller jusqu'à la récompense légendaire. Donc quand vous aurez réalisé quelques défis, il sera marqué récompense disponible légendaire. Ça, c'est le maximum de la récompense, donc vous pouvez aller chercher votre récompense à la salle de contrôle. Alors dans cette salle, il y a 4 machines avec 4 couleurs. La couleur correspond au joueur associé à la couleur, par exemple moi c'était mauve, donc je dois aller vers la récompense mauve pour récupérer ma récompense. Ensuite, interagissez avec la machine et là, vous allez voir, soit il peut vous donner un atout gratuit, des armes déjà améliorées, même l'arme spéciale ou d'autres bonus que je n'ai sûrement pas encore découvert. Il vous donne aussi des bonus genre double point, munitions max, braderie, etc., etc. Donc, c'est assez avantageux de réaliser les défis. Et en plus de ça, bah, vous allez débloquer des armes gratuitement, donc vous allez pouvoir économiser pas mal d'argent. Donc, c'est vraiment une très bonne astuce. Alors, petite information supplémentaire, la machine peut vous donner des renseignements. De toute façon, il sera noté récompense disponible, renseignements. À ce moment-là, dirigez-vous vers la salle de contrôle et interagissez avec l'ordinateur pour récupérer un renseignement. Alors, vous devez récupérer 59 renseignements au total. Je ne sais pas ce que ça débloquera à la fin, mais moi pour l'instant, j'en ai que 2 sur 59. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao, peace.